Ah ouais. Allez, vas-y. Allez, Nico, on t'écoute. Alors, j'ai appelé Pierre jeudi dernier pour le remercier. Ah. Parce que j'ai une patiente qui vient mardi, c'est une patiente qui vient, qui habite dans le milieu de la France, une femme très gentille, elle est chez sa sœur, et puis je sais pas, elle a mangé des trucs qu'il fallait pas. Puis au fait, au final, ça fait une semaine qu'elle était elle était constipée. Voilà. Donc, on nous sommes vus mardi dernier à 11h. Et juste avant de m'avoir vu, elle a été voir sur le médecin généraliste ici, qui lui a prescrit donc une solution, tu sais, qu'on donne pour la coloscopie, tu vois, c'est radical, parce que là, le problème est le plus intestinal, quoi, c'est bonne semaine. Donc, moi, je regarde, je fais mes cours, E37, le point préconisé pour la constipation. Et j'ai dit, écoutez, voilà, aujourd'hui, on va tenter l'acupuncture pour ça. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça, je dois prendre les médicaments ou pas. J'ai dit, écoutez, c'est ce qu'on fait. Vous attendez parce que voilà, tu sais, des fois, tu sais, te mettre aujourd'hui sur le poids, j'ai pas envie de faire le quand même pas. Je dis, écoute, on attend la fin de journée. Si en fin de journée, ce soir, vous n'avez pas de résultat, vous prenez votre solution. J'ai dit, en tous les cas, s'il vous plaît, tenez-moi au courant, envoie-moi un texto. Voilà. J'ai toujours à mes patients, tenez-moi au courant, envoyez-moi un texto dans les jours qui viennent. Envoie-moi un texto jeudi pour me dire. Je reçois un texto jeudi matin. Monsieur Eisen, je voulais vous dire, bon, merci. Merci, l'acupuncture a été très efficace. Bam. Une semaine, bam. Eh ben, ça a été tu m'as dit 2 heures après. Elle m'a dit 2 heures après, elle a été aux toilettes. Ouais, 2 heures après la poncture, elle est allée aux toilettes. Le 37, il est où? Parce que j'arrive jamais à le trouver. Le 37. Ah ben, il est à 3 coudes du E36. Hein. E36. Tu parles du E35, 6 coudes. E36. Donc tout à l'heure, E35.